Madame. Navré de vous importuner après un tel spectacle, mais je tenais à vous dire que ce soir, vous aviez été fabuleuse. Arrêtez, il suffit. Vous allez me faire rougir. Mais dites-moi, avons-nous déjà été présentés? Ciel! Mais où sont mes bonnes manières? Je me présente. Mon nom est Rémus, et j'ai été engagé il y a peu. Rémus, dites-vous? Effectivement, j'ai entendu parler de votre numéro, et j'espère vous voir sur scène bientôt. Alors, tâchez de ne pas me décevoir. C'est vous ? Madame, je suis navré de vous déranger si tard, mais je serais honoré de vous inviter à dîner. Ce soir ! Oh, quelle délicate attention. Seulement, je me vois au regret de refuser. La dernière représentation que j'ai donnée a été quelque peu épuisante. Et de toute façon, ce soir, je dois m'occuper du courrier de mes admirateurs. Oh, pardon, je m'égare. Pour ce soir, c'est compliqué, mais peut-être saurais-je me libérer un moment demain soir ? Je peux revenir demain soir, c'est ça? Venez, et nous verrons. Madame, Rémus ? Pardonnez-moi de troubler ainsi vos préparatifs, mais je ne puis contenir ce qui m'anime. Qu'est-ce que c'est ? Maggie, jamais je n'étais aussi bouleversée qu'en vous voyant ce moment. J'ai l'impression de trouver ma place. Les mots me manquent pour vous dire à quel point. Je vous aime. Oh, Rémus. Divine Maggie, jamais je ne cesserai de vous aimer. Mon cœur tout entier vous appartient, car sans vous,